janvier 2016, je me retrouve célib, j'ai envie de... Bon, j'ai à la fois les hormones qui se réveillent, je pense que j'ai toujours eu beaucoup de libido, mais bon, je pense qu'à chaque fin de relation, c'est un peu pareil pour tout le monde. Et en même temps, j'avais envie aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui n'étaient pas dans le cercle d'amis que j'avais avec mon ex. Donc je me suis mis à un nouveau sport, je me suis aussi impliqué dans des associations et je me suis mis sur des sites de rencontres. Je m'appelle Florian, j'ai 28 ans, je suis 1m75, je fais pas mal de sport mais je suis pas du tout super musclé ou quoi que ce soit. J'ai les yeux bleus et les cheveux châtains et un petit peu de barbe. Sur les sites par exemple OkCupid, clairement c'est affiché dedans que je cherche des relations non monogames. Donc puis je leur dis quand je les rencontre, il y a toujours un moment un peu l'échange du « oui mais qu'est-ce que tu cherches toi ?» Et ben, je dis bah, « aujourd'hui j'ai pas envie d'être en couple, maintenant j'ai pas non plus envie d'un coup d'un soir, j'ai pas non plus envie d'un plan cul. » Les filles sont au courant, moi c'est pas quelque chose que je cache. Je préfère que dès le début l'autre personne me dise « ça me convient pas » comme mode de fonctionnement et qu'on dise « bah écoute, il n'y a pas de souci, bonne rencontre à toi, j'ai passé une bonne soirée si jamais on s'est vu quand même malgré ça. » Et j'ai pas envie que ça soit quelque chose qui arrive après plusieurs semaines à se voir et que ça fasse du mal à l'un comme à l'autre. Enfin, c'est pas un fonctionnement sain. Donc j'ai passé quelques mois à rencontrer beaucoup de filles. J'ai couché avec beaucoup de filles à ce moment-là, genre vraiment beaucoup. Je sais pas, de coucher sur 20 ou 30 jours différents avec une fille différente tous les soirs. Alors depuis, je me suis effectivement calmé. Après, je reste avec un bon... Enfin, j'ai pas mal de libido, j'ai pas mal de copines de galipettes de couettes, on va dire. Et je sais pas, en moyenne, je pense que je couche avec entre 5 et 10 filles différentes par mois. Et je dois coucher 20 soirs par mois à peu près. L'atelier des médias, tous les samedis sur RFI.